Alors, je vais revenir sur la question du pouvoir. Toute forme de pouvoir, au fond, selon moi, j'en parlerai probablement samedi soir avec mes amis du Café Philo McDo, est minoritaire. Et s'il est minoritaire, il est diasporique. C'est une minorité qui dirige le monde. Et donc, c'est une minorité qui dirige le monde. Et les gens qui font partie de ces minorités au sein des différents États ont forcément des choses en commun. Et font des choses en commun. Et alors, quand on nous parle du grand Israël, par exemple, il y a un point aveugle dans ce genre d'affirmation. C'est que on a l'impression, en écoutant ceux qui condamnent le grand Israël, ou même ceux qui le prônent d'ailleurs, que il n'y aura que des Juifs dans ce grand Israël. C'est l'absurdité totale. Il est évident qu'il y aura probablement un pouvoir juif, en quelque sorte, si l'on veut, mais que la grande majorité des gens de ce grand Israël ne seront pas juifs, par définition. Comment peut-on imaginer un grand Israël à l'échelle entre le Nil et l'Euphrate avec quelques millions de juifs? Ça n'a pas de sens. Donc vous voyez, il y a une espèce d'incapacité à penser les choses de manière intelligente. Le grand Israël, c'est forcément une présence juive diasporique, une présence juive minoritaire. Et donc par conséquent, de toute façon, un partage, un ruissellement. On laisse entendre que dans ce grand Israël, il ne restera plus que des juifs. Enfin, c'est même pas dit clairement, mais c'est même pas clair, explicité. Évidemment pas qu'il y aura que des juifs dans un grand Israël. Moi, je ne suis pas favorable spécialement à un grand Israël, mais je veux dire, le concept même de grand Israël ne signifie absolument pas qu'il n'y aura que des juifs, qu'il n'y aura que 6 millions ou 10 millions de juifs dans ce grand Israël qui couvrirait plusieurs millions de kilomètres carrés. C'est aberrant. Donc là aussi, il y a un problème de... On n'arrive pas à penser les choses correctement. Et là, je parle de Hindi, mais je parle aussi de celui qui en a fait la préface, de ses ouvrages, Vernochet, je crois que je ne veux pas déformer son nom. Le grand Israël, on a l'impression qu'il voilà, n'y aura plus que des juifs dans cet espace. C'est délirant comme point de vue. Bon. Et les gens ne réagissent pas. Ils entendent ça, ah bon, très bien, ah oui, d'accord, oui. Donc les gens n'ont pas compris ce que c'était que l'Empire, pas compris que l'Empire c'était une minorité qui dirigeait l'ensemble, et par définition cette minorité elle va rayonner sur l'ensemble par définition, elle va pas tout garder pour elle, elle va instaurer un partage, une distribution, une répartition des choses et de la croissance. Donc de toute façon tout ce que les juifs font, tout ce que toute élite fait profite à l'ensemble d'une manière ou d'une autre. C'est la notion de ruissellement telle que l'avait évoqué récemment Emmanuel Macron, sur lequel on a beaucoup ironisé. Mais c'est un fait. Il faut partager la croissance, mais la croissance, elle est le fait de l'élite. S'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de répartition possible. C'est aussi simple que ça. Et le partage, ce n'est pas le partage des moyens de production. Enfin, ce n'est pas le partage du pouvoir. C'est le partage des fruits du pouvoir, des fruits de la croissance. Mais on ne partage pas l'arbre, on partage les fruits de l'arbre. Autrement, on tombe dans le jugement de Salomon, bien connu, face aux deux mères dont une a perdu son fils. Et Salomon dit, ben oui, ben on n'a plus qu'à partager le fils restant en deux. Et la mère, dont c'est vraiment le fils, dit non, donnez-le à l'autre. Et l'autre dit non, on va partager.